petite préhistoire, dis. Les hommes de Cro-Magnon. Nous, on n'a pas peur de vous affoler les chevaux. Hein. Oh, il est beau. C'est des ados attardés, pour moi, Olivia et Stéphane. Donc, ils ont toujours besoin d'en faire des tonnes, quoi. Des journaux, je sais pas comment vous qualifier autrement, à part des journaux de merde. Chaque fois que je fais une blague sur un mariage, ma femme ou n'importe quoi, ça devient un gros titre avec « Sa femme a failli dire non au mariage ». Donc je sais que vous voulez vendre, créer du buzz et tout ça, mais c'est nul. En plus, les gens lisent et puis après ils disent « Mais non, mais il n'y a rien ». Donc c'est arrêtez d'être con, quoi. Voilà. Personne n'aurait réussi. Mais ne dis pas personne n'aurait réussi. Je te dis, ça a gardé la chaîne, vous ne prends pas la tête. Personne n'aurait réussi. Mais nous dis pas, on arrive en zéro pointé. Mais je t'ai pas voilà, parlé okay, avec toi, j'ai pas parlé avec toi, de quoi tu parles. Ouais, je te le dis. Mais moi, je te le dis aussi. On va pas nous prendre la tête. Coralie fait une petite remarque, je dis, oh, mollo, mollo, l'oiseau. Je pense que là, il faut me laisser redescendre, tranquille, digérer la défaite. Et j'irai vers les gens quand je... Triste pour la France et pour eux de ne pas avoir été capable de leur apporter le succès qu'ils méritaient. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Appelle-t-on un wagon qui contient des chambres pour dormir. Endors-toi. Un wagon-lit. La jolie chienne qui... Enfin, qui... avant, je veux dire, hein, pardon. Très bien élevée, hein, elle est très bien élevée. Oui, très bien élevée. Elle donne la patte quand on la demande. Très... Quand on est à l'intérieur... Oui, il se passe quoi? On a l'impression d'être dans un utérus de chien. Non. De chienne, du coup. Mais ça c'est impressionnant, quoi. T'es cru en répétition, là, ou... Mais comment peux-tu savoir à quoi ressemble l'intérieur d'un utérus? Mais parce que je m'en souviens, d'accord.